Changement d'univers avec le spectacle 59 que l'on peut retrouver tous les soirs à l'arrache-cœur à partir de 20h25. Et pour nous parler de ce spectacle, je reçois les Enfants Terribles. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bonjour. Alors bah justement, parlez-nous de ce 59 et de cette malédiction qui règne sur l'arrache-cœur à Avignon. Alors 59, c'est un texte de Christian Siméon, c'est un auteur incroyable pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a été notamment moliérisé pour le cabaret des Hommes Perdus. C'est une écriture très fine, c'est incroyable à lire parce qu'on découvre totalement un autre univers avec cet auteur. La pièce, elle se situe entre du Tim Burton, Hitchcock, les contes de la crypte. C'est cruel bien sûr, hein, ça se voit sur l'affiche, mais c'est très léger, c'est plein de poésie et il s'agit en fait d'une malédiction autour du thème 59, du chiffre 59 qui plane sur un village paisible. On est 3 comédiens sur le plateau, mais on fait une quinzaine de personnages et on va vous faire voyager dans le temps, dans les émotions, dans les couleurs. C'est les gens, quand ils sortent de cette pièce, ils sont toujours agréablement surpris parce qu'ils n'ont pas déjà l'habitude de voir ce spectacle à Avignon, surtout avec l'écriture de Christian. Siméon, pardon, comme on le connaît, voilà. Et c'est un genre qui ne se fait pas, c'est une qualité de la pièce. On les fait voyager, on les déstabilise, on les fait rire, on les fait pleurer. Et voilà, ils sont... Et on leur fait peur. Et on leur fait peur. Et vous leur faites peur. C'est une sorte de famille Adams, en fait. Exactement. Voilà, c'est vraiment cet imaginaire de Tim Burton. Vraiment la cruauté, mais la mort, notamment, mais toujours traitée avec légèreté. Et c'est super à voir, et notamment nous, les 3 comédiens, on s'amuse sur le plateau, on s'amuse à faire rire le spectateur. Bien sûr, parce que c'est cruel, mais c'est très drôle également. Hein, c'est ce qu'on disait, il y a de l'humour, c'est un spectacle. Par contre, à partir de quel âge on peut venir voir 59 ? Alors voilà, pour les enfants, l'adolescence, il n'y a pas de problème. 11 ans, c'est sûr, ils peuvent venir voir, surtout que les jeunes adolescents aiment découvrir Tim Burton, ils regardent Tim Burton. Ensuite, voilà, autour de 9 ans, ça dépend de leur sensibilité. Au-dessous, il vaut mieux pas, parce qu'ils sont quand même un peu petitounes. Bien sûr, donc je le rappelle, 59, c'est tous les soirs à l'arrache-cœur à partir de 20h25. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce festival ? Du succès. Bien sûr. Du monde, des professionnels, de l'amour, du plaisir, de la joie et un petit peu de frisson quand même. Et un petit peu de frisson, on viendra aller chercher ces frissons à l'arrache-cœur tous les soirs, 20h25, le spectacle 59. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cap sur le Loir. Merci à vous pour votre accueil. Merci.